Effectivement, à l'adolescence, c'était très très net que son comportement changeait et qu'elle était très intéressée par tout ce qui concerne les aspects affectifs et sexuels. C'est-à-dire qu'elle avait parfaitement les attitudes d'une jeune fille de 14, 15 et 16 ans, intéressée par les garçons, les regardant de façon un peu bêtasse, je dirais. Et voilà, aller au café et regarder en coin les jolis garçons, ça, c'était une vraie préoccupation. Et ça me faisait toujours rire quand certains parents continuent à être dans des à présenter des objets ou des chansons ou des choses qui ne sont pas appropriées à l'âge, parce que je dis chaque fois, écoutez, il vaudrait mieux lui présenter une photo d'un acteur connu et séduisant, elle sera beaucoup, beaucoup plus réactive que de lui montrer le mouton ou le cochon. Voilà. Voilà. Donc ça c'est très, très clair pour moi, très clair. Je suis un petit peu démunie pour aborder ces questions-là. On les a abordées avec certaines personnes de l'établissement, mais c'est un petit peu difficile parce que voilà, c'est douloureux de comprendre et de leur faire comprendre que malheureusement, bon, à l'établissement d'Agathe, il y a des jeunes gens aussi avec lesquels elle est, bon, ça se dragouille bien, quoi, ça. Mais je suis un petit peu démunie pour en parler avec elle parce que c'est quelque chose sur lequel, bon, malheureusement, il ne peut pas y avoir de suite, quoi.